On revient au centre, on relâche. Le soleil arrive. Et la banane aussi. Je suis, le regard il suit. À mon commandement, gardez-vous. Peppo, gardez-vous. Attention pour les couleurs. Prêt, monsieur le directeur. Envoyez. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est... sera consacré donc à l'engagement, à finir vos travaux sur l'engagement, à présenter vos travaux. Aujourd'hui, dans l'emploi du temps, vous avez le cyberharcèlement, les risques routiers et diagoriente. Profitez au maximum de toutes les minutes, de toutes les heures que vous vivez encore aujourd'hui. En vrai, le Bombane, c'est bien. Hein. Il y a la forêt, des pins, on a la plage, beach volley, table de ping-pong. Ouais, c'est un super centre. Juste le béton armé, c'est dans les chambres, c'est pas... Voilà. Non, ce n'est pas grave d'avoir oublié les gestes techniques parfaits. Parce que quoi qu'il en soit, vous allez porter secours aux personnes en difficulté. Et même si le geste n'est pas parfait, vous n'allez pas la blesser plus gravement que ce qu'elle est déjà blessée. D'accord ? J'étais contre, totalement contre le SNU, et je me suis dit, je vais pas faire la vieille réac dans son coin qui dit « c'est n'importe quoi ce qu'ils font maintenant ». Je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est, et après j'aurai des arguments pour débattre, pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais au moins j'aurai de quoi expliquer pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien.
ça c'est chaque moto équipée d'une trousse de secours. Ça pèse combien en roule ? Voilà. Ça pèse combien ? Ce matin, nous allons vous sensibiliser sur les dangers de la route. Bon, sachant que vous êtes toutes et tous, on va dire, pratiquants de la route, d'une manière ou d'une autre, que ce soit déjà à pied, que ce soit en trottinette, que ce soit à vélo. Ça va, il a pas mal. Vas-y, appelle. Allô ? Centre de secours, bonjour. Ici, à la jambe, c'est quelle jambe ? Tibia droit. Tibia droit. À travers la reconstitution très basique d'un accident de la route, leur rappeler les bons gestes, à savoir protéger, alerter, secourir, et en même temps donc les sensibiliser sur les dangers de la route, les comportements dangereux. Combien j'ai de blessés ? L'âge des blessés, la gravité des blessures. Le numéro. Première des choses, quand vous appelez, vous donnez votre numéro de téléphone. Même avant votre nom. Le nom, ça le fiche. Les objectifs me plaisaient, dans le sens où favoriser l'inclusion de jeunes, de 15 ans jusqu'à 17 ans, avec des jeunes de différents territoires. Et j'ai voulu m'inscrire dans ce projet, nécessaire pour moi, parce que je voulais aller au contact de ce public-là. Qui sont ces jeunes-là ? Cette année, le SNU est développé dans tous les départements de France. Nous avons choisi le site, le centre de vacances du CPA, à Carcan-Montbuisson, dans le domaine de Bombane. Nous accueillons cette année 163 jeunes qui se sont engagés pour faire un service national universel. Comme j'aime à me le dire, le service national universel, ce n'est pas un service militaire, mais ce n'est pas non plus une colonie de vacances. Donc c'est un juste milieu entre les deux. Donc il n'est pas là pour remplacer le service militaire, bien évidemment. C'est un service national universel et inclusif qui nous permet d'accueillir tous les jeunes âgés entre 15 et 17 ans. On pourra faire un peu de yoga si vous voulez un moment, si ça vous intéresse. Ah oui, ça va être... Ok, dès qu'on a un moment, je vous dirai. Je crois que ça va fonctionner par maisonnée, oui, il y a un ring au milieu. J'espère qu'ils vont nous expliquer les consignes à un moment donné. On va travailler autour des notions de citoyenneté, de droit. Donc, je sais que vous avez démarré et que si vous vous êtes engagé dans ce SNU, c'est que vous avez et vous partagez toutes et tous certaines valeurs. Les valeurs de laïcité, les valeurs de la République, les valeurs de défense des libertés fondamentales. Et donc normalement, à ce petit jeu quiz qu'on vous a confectionné, normalement, on ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Allez, le jeu. Oui, c'est bien. Vert, c'est bon. Ouais. C'est une bonne réponse. Ouais. C'est une grande richesse humaine. Enfin, personnellement, je me trouve très chanceuse de pouvoir expérimenter cela et de justement d'être notamment en contact direct avec des militaires. J'avoue que c'est la première fois de mon existence, on va dire. Et je trouve que c'est aussi parfois un peu difficile. Difficile parce qu'on a des points de vue différents, on a des expériences différentes, on a des âges différents aussi. Monsieur Pastor essaye de joindre leurs responsables légaux. Mmh. Ça répond pas, ça répond pas. Très bien. Donc, je vois avec eux, mm-hmm. Est-ce que c'est le bon numéro ? Tu veux que je m'en charge, puisque je me charge de ça depuis ce matin, donc si tu veux, je m'en occupe. Ok. Voilà. Pour encadrer des jeunes de 15 à 17 ans, il a fallu recruter un encadrement, et nous avons voulu effectivement diversifier le recrutement des encadrants, et donc effectivement, il y a des anciens militaires, il y a également effectivement aussi des personnes de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, et du monde du sport, animation du monde du sport. Mais ça peut être des étudiants. La seule condition pour pouvoir être encadrant, c'est d'avoir au moins minimum un BAFA ou un équivalent de BAFA. C'est une passion, c'est pas... Mais après, ça dépend des gens. Oui, tu peux aider les gens, mais pas forcément avoir quelque chose en retour. Par exemple, quand tu t'engages... Tu t'engages pour devenir... Ouais, quand tu t'engages à un diplôme volontaire. Regarde, là on s'est engagé pour quoi, le SNU ? Pour à la fin marquer sur notre CV. Ouais, pour avoir un truc en plus sur notre CV. Oui, mais pas toujours. Tu t'engages pas toujours pour quelque chose. Bah si. Mais non, encore le même exemple. Pour avoir des résultats, oui, mais oui, mais aider quelqu'un, c'est pas pour son sourire ou pour ses sous. Comme nous, enfin, ce qu'on a dit avant, genre tu t'engages tout seul pour par exemple venir au SNU. Ben du coup, ça dépend d'engagement. Ouais.
Toi, t'es toujours de ton côté. Vas-y, t'as 20 arguments. Alors, je prends notre argument, mais non. Ok, donc pour toi, l'engagement, c'est forcément collectif. Tu peux pas t'engager. Tu peux pas te C'est réparti en maisonnée et en... Oh, j'ai oublié le nom. Maisonnée et... Là, je me rappelle plus. Hein. Les jeunes, ils sont encadrés, ils sont répartis dans... par compagnie. Dans une compagnie, on a ce qu'on appelle des maisonnées. Donc une maisonnée, c'est une dizaine de jeunes, encadrés par un tuteur et tutrice. Voilà, donc une compagnie égale 4 maisonnées. Voilà. Compagnie, voilà, compagnie. Je me suis très vite intégrée. Les personnes sont assez ouvertes. On a le temps de se faire des copines assez rapidement. Et puis après, ce qui m'a pas plu, rien ne m'a pas vraiment déplu. C'est juste une heure de téléphone par jour. Du coup, ça change un petit peu, mais on s'y habitue. Du coup, ça va. C'est un stage de cohésion avec des personnes qui viennent de un peu partout de la région. Et on fait du sport ensemble, des activités. On découvre des nouveaux métiers, les gestes qui sauvent. C'est comme une petite formation de citoyen. Tout est bien organisé à l'horaire précis. Donc le matin, levé 6h30, petit déj 7h. Levé drapeau 7h, 8h. Sport 1h30. Donc par exemple, course à pied, kayak, canoë, tout, des choses comme ça. On est revenu du footing, on a fait du crossfit. Du volley, activité nautique aussi, kayak, paddle. Après, on fait démocratie interne. On mange le midi, du coup on mange très bien ici, avec des bons repas. Et là, après, on part faire du vélo pour nettoyer les plages. Après, on a rendez-vous là à 14h. On a une instruction avec les pompiers. Après, à partir de 18h, on a notre temps libre. Et après, la soirée, on est avec les potes. Les horaires sont sport, mais c'est extrêmement enrichissant. Vraiment, j'ai appris énormément de choses. Et à un moment donné où j'ai vraiment eu un creux et je m'étais dit, je sais pas si c'est fait pour moi, je dois m'en aller et tout. Et avec toutes les choses que j'ai apprises, mais je me dis, punaise, vraiment, heureusement que je suis restée. J'ai appris tellement de choses. Je suis permis de rajouter un truc à l'intro du jour, si vous êtes d'accord. Désolée, je reviens là-dessus. Les points taille de pantalon au-delà de 48. Oui. Ok. Ok. Nickel. Qui fait quoi? Là, on parle du self. Donc, deuxième point de la réunion, le self. Je reviens sur le point qu'on est au self. Le matin, c'est 7h moins le quart, 7h moins 10. Ah, ok. Ça n'a pas de rapport. Ok. Juste, c'est bien ça, hein, si j'ai bien compris. Et le régulateur de la compagnie ne s'engouffre pas dans le boulot tant que non. Ça rien. Voilà, ça, Un régulateur par compagnie. Ça vous va? Deux personnes par maisonnée. De vérifier que les tables soient bien débarrassées. On fait des bilans quotidiens pour faire un point sur la journée qu'ils ont vécue, pour faire remonter toutes sortes de difficultés qu'ils ont pu rencontrer de leur journée. Mais pourquoi au bout d'un moment t'as un plateau et le midi ou le soir t'as pas de plateau? Parce que donc c'est le matin le plateau parce que t'as quand même beaucoup d'affaires à prendre, mais le but c'est d'avoir moins de vaisselle parce qu'il faut se dire qu'ils sont à plus de 300-350 personnes à devoir laver et les plateaux ça fait un truc vraiment en plus à faire. Ok, ouais. C'est vraiment... Attends mais du coup je vais pas donner mon staff. Non mais le soir avant 22h. Oui. Ok, alors Flavien, tu commences. Comment tu te sens? T'es content? T'es pas content? Très bien, je suis tombé avec une bonne compagnie. Attendez, pas tout en même temps. Donc en soi, le truc, c'est les horaires, ça va pas, mais parce qu'il n'y a pas assez d'activité, voilà. C'est pas les horaires. Chez vous, moi je dis juste. Après, bon, la suppression des téléphones et le coucher à 22h. À 22h, c'est tôt quand même. Ouais, voilà. C'est. Même si on est levé tôt. Mais ouais, mais vous vous levez même tôt, si on les est gars. Levé tôt. Oh, moi je peux me lever. Mais vous n'allez pas faire 12 jours en dormant 3 heures par nuit? Mais c'est pas moi si, hein. Je me lève à 10 heures, je me couche à 4 heures du matin. Tous les jours. Dire, moi je verrais bien un réveil à dimanche à 7h30 avec un petit déjeuner à 8h30. Quoi. Mm-hmm. Ouais, c'est pas mal ça. On se réveille à 7h30, c'est trop tôt encore, toi, tu penses? C'est encore trop tôt. On fera un conseil. Non, merci pas. Je voulais juste un retour comme ça sur les activités d'aujourd'hui, il y a eu quelques... Oui.
Ils ont trouvé que c'était trop long et que, je vous dis, un peu trop magistral. Voilà. En fait, le rythme des enfants et la santé mentale, c'est super important. Oui. Et je pense qu'il faut le prendre en compte. Le cours de cyberharcèlement, aujourd'hui, a fait remonter un mal-être sur des filles, sur deux filles. On a l'identité. Sur deux filles. Voilà. Donc la policière qui a fait le cours a reçu personnellement donc, une des deux filles, etc. En pleurs, hein. Chère jeunesse, sachez d'abord que le plus important, c'est de faire vos propres choix. Il ne faut jamais prendre des décisions en dépit des autres. Savoir se positionner sur vos centres d'intérêt et vos avis est une grande aide pour la vie future. S'entourer des bonnes personnes et avoir des intérêts en commun avec eux est une bonne chose. Et après, des déceptions et des découvertes, les bonnes rencontres se feront toutes seules. Outre le relationnel, la confiance en soi est très importante. Il y aura toujours des personnes pour chercher à vous faire du mal, mais on y ressort toujours plus fort. Un jour, vous aurez l'impression d'être heureux, et l'autre que tout va mal. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Croyez toujours en vous et en vos rêves. Mais du coup, ils se sont engagés. Il y a un F là. Oui, il y a un T à peu. Oui, je l'ai mis. Ah, t'as corrigé, tu l'as mis ça ? Un peu. Le peu, il peut être. Peut-être. Ça. La réflexion autour de l'engagement qui est vraiment importante. Je pense qu'aujourd'hui, on peut s'engager dans plein de façons différentes. De l'écologie au militaire, en passant par l'humanitaire, l'aide à l'enfance. On peut faire plein de choses. Et dans le sport, moi j'ai fait un service civique dans le sport. Donc on peut s'engager de plein de manières différentes. Et je pense que ça, ils l'ont compris. On va faire tomber Quentin. On va un peu pousser Quentin. Ouais, c'est bien. Ah ouais. On a de la chance, ouais. On a le cadre, on a les animateurs qui sont géniaux. Sur l'eau, des fois, vous allez voir, on va être un peu partout. Moi, je vais être obligée de crier. Donc, quand j'ai pas envie de crier, je dis radeau. Quand je dis radeau, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se rassemble. Ok, on s'accroche les kayaks. On chill un peu en attendant tout le monde. Et là, moi, je peux venir et vous donner les consignes tranquillement. Radeau? Radeau, ouais. Ok, radeau. Lettre à la jeunesse. Si devant vous arrive un éboulement, comptez-vous en faire un barrage ou un pont? L'important n'est pas la forme de ce pont, mais s'il vous soutiendra tout ce temps. Croquez maintenant la pomme de votre jeunesse. Profitez pleinement de l'instant présent. Évitez quand même de finir dans la hesse, ou encore six pieds sous terre bêtement. En bref, sentez, touchez, goûtez la moindre goutte. De votre jeunesse, n'ayez aucun doute. Soyez comme une étoile filante, autrement dit éphémère mais étincelante. C'est pas un service militaire comme on pourrait le croire. Comme nous-mêmes on le pensait quand on est venu, on pensait... cadre vraiment militaire, et en fait non, pas du tout, c'est plus concentré sur la jeunesse et sur l'engagement et puis plus ça apprend plus la vie en fait. Je dirais que toutes les expériences sont bonnes, quelle que soit l'expérience professionnelle. Le SNU, ça n'est pas que pour les militaires, ça n'est pas militaire. Levons nos préjugés, et je vis actuellement une expérience valorisante. Exceptionnel. J'ai fait plein de choses que j'avais jamais faites. J'ai animé un débat pour 50 jeunes. J'avais jamais fait ça, c'est un truc de fou. J'ai animé un atelier écriture, un atelier lecture pour des jeunes qui n'ont jamais lu un bouquin de leur vie quasiment. Enfin, j'ai fait plein de choses et moi ça c'est top. Et le cadre n'est pas aussi militaire que ce à quoi je m'attendais. Vraiment, je m'attendais à ce que ce soit toute la journée, droit comme des lits, tout ça. Mais en fait, non, c'est vachement plus tranquille. On est vraiment au juste milieu. Entre le service militaire et la colo, ils ont voulu vraiment prendre le juste milieu. Et je trouve que c'est pas si critiquable que ça, enfin, je veux dire, négativement parlant. C'est très intéressant parce que je trouve qu'il y a des gamins qui ont besoin de ça un peu, tu vois.
Oui. C'est la différence entre... C'est la différence entre le débit et le crédit du compte. Le débit et le crédit. Mais attends, c'est ce que tu dépenses ? Le crédit, c'est ce qu'on emprunte à la banque. Le débit, c'est ce que tu prends sur ton compte. Voilà. Et la différence, ça s'appelle le retrait. Effectivement, donc il a utilisé quel moyen de paiement pour régler le chèque. Bon, nous sommes agents de la Banque de France. Et comme la Banque de France est opérateur stratégique de l'éducation financière et budgétaire du grand public, on intervient auprès du SNU pour justement sensibiliser les jeunes à tous ces concepts financiers et budgétaires, avec des thématiques à travers ce jeu de pistes, donc plutôt de manière ludique, des thématiques variées, en passe du budget, au relevé compte, aux moyens de paiement, au crédit, à l'assurance. Être familier avec la terminologie de tous ces domaines et aussi les sensibiliser aux concepts phares et aux notions importantes à connaître pour ensuite se débrouiller à gérer son budget lorsqu'ils vont bientôt être amenés à avoir le leur. Franchement, c'est bien d'être engagé dans le FNU parce que bah, j'ai des copains, des copines qui fonctionnent comme un vrai groupe, quoi. On est soudés, on se soutient et puis s'il y a quelqu'un qui va mal, on est là pour elle, pour lui. On est tous ensemble, tous dans le même bain, quoi. Donc on se soutient tous et c'est l'esprit d'équipe, quoi. Il y a vraiment un esprit de cohésion, on est amis avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Quand on a cet âge-là, c'est bien de découvrir de nouvelles personnes, comme de nouveaux horizons, parce que il y en a qui viennent du nord, il y en a qui viennent du sud, de partout, et donc ça permet de découvrir d'autres gens. Être et durer. L'engagement, c'est être volontaire dans quelque chose qui n'est pas forcé et s'y mettre à fond et le faire jusqu'au bout. D'engagement, mais c'est s'engager pour la France, faire un acte, c'est ça, oui. S'engager, c'est notre volonté et se désister au grand jamais. Les objectifs, les thématiques qui sont vues dans ce séjour de cohésion et, peuvent être appliquées dans quelques années pour des gens qui seront obligés de le faire, oui, bien sûr, oui. Les valeurs sont là, oui. Pour l'instant, ça passe, C'est bon. Cette odyssée des milieux sociaux et des environnements socio-économiques qui est vraiment possible et qui se fait plus de manière courante et de manière aisée dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment le point positif. Après, il y a une expérience de management qui est intéressante. Nous, on se fait manager, on manage aussi nos équipes. Et c'est pas facile. L'humain n'est jamais vraiment facile. Il y a des militaires, anciens militaires, des pompiers, des ambulanciers, des profs, des gens qui ont des formations STAPS ou sciences de l'éducation. Moi, je suis animatrice. Donc, on vient vraiment de plein de milieux différents. Et ça, c'est cool parce qu'on voit des façons de travailler qui sont super différentes. J'ai pu découvrir d'autres personnes, d'autres visions, des gens qui sont vraiment solaires, qui font du bien. Et moi, ça m'a permis de pouvoir avancer aussi dans ma vision. C'est que du bonheur tous les jours, quoi. Quand je vois le sourire de ces jeunes, malgré le temps pluvieux de cette semaine, quand je les vois aux couleurs le matin, la sommet des couleurs, quelle fierté d'avoir cette belle jeunesse, quoi. Et donc, ils méritent qu'effectivement, on puisse faire un geste pour eux. Et je suis là pour ça. Comment ne pas résister ? Comment ne pas résister ? Comment ne pas trouver l'énergie nécessaire pour accompagner ces jeunes-là ? Voilà, je suis fier. Je suis fier d'être là, je suis content d'être là. Et le prochain SNU, l'année prochaine, je sais que je vais m'inscrire dans ce projet. Voilà.